Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui nous occuper de la base de notre Optimus Prime de chez Adura Model. Comme d'habitude, si ce modèle vous intéresse, dans la description, vous avez le lien du site de chez Adura, le lien du groupe Facebook de construction, le lien de leur forum. On pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on est parti pour découvrir cette base. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, le carton est juste énorme. À l'intérieur, on peut voir que tout est bien protégé avec du polystyrène. Donc on va déballer tout ça pour voir. Alors déjà, on a notre beau logo d'Optimus. Par ici, on a des vis, on a une petite télécommande pour pouvoir l'allumer. Quelques pièces qu'il va falloir qu'on vienne mettre en place. Encore une fois. Et ce qui nous intéresse, la base. Toute la partie rocher, regardez-moi ça, franchement, superbe. Avec les lumières tout le tour. Il y a plein de petits spots de lumière, donc on va venir assembler ça. Et on va venir voir ce que ça donne. On commence par venir juste ici, on va enlever le scotch qui est là. On va venir y mettre 4 piles LR6. On reste par ici, on prend notre pièce 4, qu'on va venir mettre par là et qu'on va tenir par en dessous avec deux vis PB 2-3x8. On récupère notre câble qui est là, on va détacher le petit fil qui le tient. On le passe dans le trou du bas. On va ensuite venir placer les pièces de base 5. Donc qui vont venir ici. Et par ici, voilà. On va y mettre à chaque fois 4 vis à chacune des PB 2-3-6. Normalement, il faut venir mettre après au-dessus. Moi, je préfère tester la lumière avant pour être sûr. Donc on va venir enlever les deux vis qui sont à l'arrière. On vient mettre notre pile, donc c'est une 23A. C'est une petite pile pour les télécommandes. Donc j'espère qu'elle est dans le bon sens.
Alors ça s'allume déjà ici, c'est bon. On va venir mettre sur on, alors le bouton où c'était l'interrupteur. Par là. Déjà là, on voit que les spots s'allument, donc c'est bon. On peut venir mettre la partie rocher en mettant bien la partie creuse, comme ça, là où on a mis le support. Ici. Superbe. On vient brancher ensuite notre pièce par là et on vient l'emboîter. Nickel. Et voilà pour l'assemblage de notre base dont on a pu venir mettre Optimus dessus. Donc le voilà sur sa base. On va pouvoir venir l'allumer. Et avec les lumières, ça rend vraiment superbe. Donc je vais éteindre un peu les lumières autour. Regardez-moi ça, comment ça rend super bien. J'adore. Tout maintenant déjà à base, je pense que je vais changer la pose. Voilà, moi je pense que je les poserai plus comme ça maintenant. Regardez-moi ce que ça donne, franchement. Il est génial. Et voilà, ça y est pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais franchement, je trouve ça superbe avec la base. Ça finit vraiment le modèle. On s'abonne, on like, on partage, on vient me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!